but, c'est de redonner peut-être à certaines personnes envie de venir au cinéma, de redonner envie de venir. C'est pas facile, la société d'aujourd'hui, on a tendance à enfermer les gens chez eux, que ce soit les jeunes ou les vieilles personnes, avec l'internet, avec la télévision, les DVD. Un lieu comme le nôtre, ça doit être bien plus qu'une salle de cinéma. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Et qu'est-ce que ça apporte à ces seniors, ces séances ciné-seniors? Il y a, comme vous l'avez vu, un encadrement. Il y a quelque chose d'encadrement. Il peut se limiter à un accueil positif, pour que les gens se sentent concernés comme êtres humains et pas juste comme tickets de cinéma. Et que simplement dire que c'est la salle 1 ou tenir par la main une dame qui a des difficultés à descendre les marches, mais c'est déjà beaucoup dans la journée de quelqu'un de sentir cette présence-là, ce soutien. Donc, mine de rien, même si c'est un mot qui est souvent galvaudé, la convivialité, c'est important chez nous. Leur redonner donc envie de sortir et de se retrouver en groupe, c'est ça la magie du cinéma, c'est d'être dans le noir, entouré de plein de gens, de chacun vivre son film, mais d'être entouré de gens. Et je trouve que vous me disiez aussi, quand on va au cinéma, qu'on aime un film, quand on sort, on est mine de rien déjà un peu transformé. Sur le site, j'ai vu que vous mettiez que c'était pour favoriser le lien. C'est le lien entre eux? Oui, le lien entre eux, mais le lien entre eux, et je ne sais pas, et là en l'occurrence un cinéma, entre leur maison et un lieu public, c'est de redonner envie, si ce n'est plus le cas pour certains, de ressortir, donc de se redynamiser, si ça peut arriver de redonner goût à la vie, ça peut aller jusque-là.